Oui, shalom, shalom, je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier, le prophète Joël Crasso. Je vous parle depuis, aujourd'hui c'est le 11 avril 2000, lundi 11 avril 2016. Ben, nous revenons de la Suisse, nous sommes en pleine tournée, je suis en pleine tournée européenne, nous revenons de la Suisse. Je tenais à dire merci, merci à ceux qui ont organisé, n'est-ce pas, le programme de la Suisse. Merci beaucoup. À ma fille Félicité, à Rose et tout ça, et voilà, ceux qui ont organisé le programme de la Suisse. En fait, c'était plutôt juste parti pour soutenir deux familles. En même temps, les bien-aimés ont voulu que ce soit un programme éclaté pour aider d'autres personnes. Mais ça a été vraiment très intéressant. Voilà, l'accueil, c'était super. Merci pour, n'est-ce pas, l'expérience que nous avons vécue au niveau de la Suisse. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sur une tournée européenne, le thème, c'est « Venez investir ». Nous sommes en train d'aider, n'est-ce pas, la diaspora, n'est-ce pas, à revenir. Nous prions dans nos tournées, prions pour les personnes qui ont des soucis de papier, qui ont des soucis de santé, toute la diaspora, pour les permettre, n'est-ce pas, venir investir en Afrique. L'onction qui est sur ma vie, c'est la destruction des œuvres de la sorcellerie et l'Afrique qui était le continent d'avenir. Et malheureusement, nos bien-aimés sont ici en Europe. Et comme j'ai dit, si vous ne partez pas vers l'Afrique, l'Afrique viendra vers vous. Parce que la sorcellerie, c'est une science occulte. Au moment où vous pensez que vous éloignez de ça, ça vous scanne, ça vous détruit. Vaut mieux, n'est-ce pas, croire à la puissance de Jésus-Christ et l'accepter comme sauveur et Seigneur, afin d'être à l'abri, n'est-ce pas, de ce mal et le fléau, le mal cruel de l'Afrique. C'est cela que nous autres, nous sommes en train de sensibiliser nos bien-aimés pour que l'Afrique soit une Afrique meilleure demain. Parce que l'Afrique aujourd'hui, et tout le monde le sait, est le continent d'avenir. Voilà, maintenant je suis à Paris, là, je m'apprête, n'est-ce pas, à aller jeudi sur Madrid, après ça Madrid, j'aurai l'autre, mais pour dire que nous allons revenir encore en Suisse, avant que je ne reparte en Côte d'Ivoire, nous revenons en Suisse. Maintenant, je veux parler du programme de Paris. Je me suis absenté, je suis en train de m'absenter pour deux semaines, j'ai arrêté deux semaines, permettre aux bien-aimés de bien organiser le programme de Paris. Voilà, donc je reprends mes activités à Paris à partir du 4. À partir du 4 mai, c'est un mercredi. Le 5, c'est un vendredi. Le 5, c'est un jeudi. Et le 6, c'est un vendredi. Nous aurons le 6 vendredi une grande veillée. Et c'est un séminaire qui va se déboucher sur une veillée. Comment être débarrassé des œuvres de la sorcellerie et venir rester en Afrique. Nous allons expliquer toute la stratégie et la puissance de Dieu pour vous aider, n'est-ce pas, à vous débarrasser de la sorcellerie, afin de pouvoir venir investir en Afrique. Donc, vous retenez cette date, c'est en mai, 4, c'est un mercredi, le 5 dans la même salle à Romainville, le 4, 5 et 6, c'est un 6 mai, une veillée de prière et de délivrance. Et je vais commencer à partir du lundi 9, le lundi 9 mai jusqu'au, n'est-ce pas, au 20, au 20 mai, les réceptions. Nous aurons les réceptions individuelles et comme ça, vous aurez l'occasion de, n'est-ce pas, expliquer vos soucis et nous aurons l'occasion de prier pour vous en privé. Voilà, nous aurons l'occasion de prier pour vous en privé. Comment ça va se passer? Voilà, vous rentrez directement en contact déjà avec l'Abidjan, la Côte d'Ivoire. Voilà, avant en Côte d'Ivoire, vous partez sur mon site www.prophetejoelcrasso-ministry.org. Je reprends, www.prophetejoelcrasso-ministry.org. Vous allez là-bas et vous prenez, n'est-ce pas, un rendez-vous. Nous allons vous donner les tickets parce que les réceptions vont se faire vont commencer à partir de 10h. Il y aura une pause entre midi et 15h et nous allons répondre de 15h jusqu'à 22h. Donc ça sera avec les tickets. C'est-à-dire, vous avez un numéro, on vous positionne, on dit numéro 1. Vous avez rendez-vous avec le prophète Crasso tel jour, de telle heure à telle heure, 30 minutes par personne. Et ça va se passer comme ça jusqu'au 20. Voilà, jusqu'au 20. Donc, vous rentrez en contact avec mon secrétariat depuis la Côte d'Ivoire d'Ivo. Vous mettez sur mon site, vous appelez plus 225 47 07 23 28 pour que ces personnes puissent déjà commencer à vous coucher vos noms. Vous donnez déjà un ticket. Et en fonction des tickets, vous revenez. Le secrétariat d'Abidjan va contacter, n'est-ce pas, le staff de Paris et leur donner toutes les informations qui auront déjà recueillies au niveau du siège à nouveau de Divo. Je pense que je suis en train de bien faire comprendre pour qu'il y ait plus d'ordre et pour que ça soit bien organisé les réceptions. Parce que les gens aimeraient qu'on les reçoive individuellement. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est ça qui fait que je demandais, n'est-ce pas, au staff de Paris de bien l'organiser. Donc je disais, le 6,
Le 5, le 4, nous commençons. Le 5 mai, le 6, c'est un vendredi. Une veillée à partir du 9 mai jusqu'à, n'est-ce pas, le 20, nous aurons, n'est-ce pas, des réceptions. Vous partez simplement sur mon site pour les réservations, n'est-ce pas, pour prendre vos noms. Ils vous auront l'occasion de vous donner les numéros, sans fonction des numéros, que le ministère de la Côte d'Ivoire de Divo va appeler le stade de Paris et leur communiquer vos numéros. On vous montrera une liste, on donnera une récente liste et vos numéros à l'appui. On va vous appeler, n'est-ce pas, pour vous recevoir. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Je suis encore en tournée. J'arrive jeudi à Madrid. J'aurai l'occasion de visiter l'Italie. Je viendrai aussi en Belgique, à Danemark, en Allemagne. Shalom, que Dieu vous bénisse.